J'aimerais un peu qu'on parle, euh, parce que ça va faire euh, maintenant, ça va faire bon, un, peu, un mois maintenant qu'Overwatch est sorti. Et il y en a qui vont me dire, euh, non en fait c'est sorti le 5, là on est le 7, donc euh, ça fait plus, plus d'un mois. Je dis que c'est un mois, point barre, voilà. Donc, on va faire un petit peu le point sur euh, tout ce qui s'est passé sur Overwatch. Et euh, ce qu'on considère, c'est que j'ai noté qu'il y a eu, je sais pas, un scandale par semaine. Voilà. Il y a eu un scandale par semaine euh, et ça franchement c'était pas vraiment les, les, les nouvelles qu'on voulait en fait. Euh, déjà on va commencer côté jeu. Bon alors on a eu déjà 3 euros euh, buggés à la sortie du jeu. On a eu Bastion euh, qui avait euh, un ulti euh, qui pouvait se répéter à l'infini. Bon pas forcément le meilleur des trucs. On avait Torbjörn, qui avait aussi un autre problème, je ne sais plus quoi, et on avait aussi Mei, euh, Mei qui est actuellement encore, alors qu'il est en réparation, qui va, devenir, qui va revenir le, le 15 novembre, <coughs> et euh, qui a eu quoi comme problème et Oui, son mur en fait, c'est-à-dire que quand tu mettais un mur, euh, son fameux mur qui se lève, tu pouvais te mettre de, 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 dessus pour ensuite te relever aussi, mais le problème c'est que ça marchait pas parfois, parfois tu passais à côté, et euh, c'était pour toi ou pour un joueur. Et euh, ça, ce sont des problèmes qui ont été signalés euh, dès la bêta fermée, qui n'ont pas été corrigés, et qui là, du coup, bah, May est indisponible. Quand c'est la ranked, euh, bah, quand il s'agit euh, d'un héros pour tenir un point, May, c'est un des héros qu'on prend. Donc quand elle n'est pas disponible, ça va qu'elle n'est pas dans la méta. Mais, au moins, rien que le fait qu il y ait. Euh, ça, 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 ça m'énerve ça. Pour moi, rien que le fait qu'il y ait eu. Trois héros en un mois buggés et retirés euh, de bah, de, la, de, la, de la composition en fait, de la sélection de héros, pour moi c'est un problème. Parce que pff, il n'y a. Dans Overwatch 1, il n'y a pas eu ce problème. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Je code avec le cul, peut-être. Non mais c'est pas... C'est même pas avec le cul, c'est avec les, les poils de cul qui sont codés. Hein, Après, je ne suis pas là pour défoncer le jeu, je, je l'aime le jeu. Et justement, si je veux en parler, c'est parce que je l'aime. Et je veux que ça s'améliore. Attention. Hein. Bon, euh, je veux dire, euh, j'en suis à combien J'en suis à, à 1574 heures de jeu. Euh, voilà, euh, là, vous ne de pas me dire que j'aime pas le jeu. Hein. Enfin, C'est plutôt une longue histoire d'amour-haine, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi euh, côté, euh, côté jeu euh, On a eu l'event. Là, on est encore dessus, alors qu'il est. On a eu, euh, du coup, l'event de Halloween. Alors, là, en revanche, l'event d'Halloween. Je dis vraiment bravo. Bravo, c'est euh, sûrement le meilleur mode coop que j'ai vu sur le jeu. Et même un des meilleurs modes coop que j'ai vu tout court en fait, comme, comme ça dans les Là, franchement, ils sont pas foutus de gueule. Là où dans le premier, on avait un terrain où on nous devait euh, euh, défendre une grande porte contre des euh, contre des robots. Là, on a tout un script, tout train tout un scénario un nouveau scénario en plus avec des nouveaux personnages, euh, où on doit euh, se rendre dans le château, sauver le seigneur, on arrive au village, là, toute la map est bien utilisée, elle a été modifiée pour qu'on fasse tous les petits tours possibles, et surtout les scripts, je ne m'attendais pas à avoir des jumpscares sur Overwatch 2, je m'attendais vraiment pas à avoir des jumpscares, c'est très bien scripté, et franchement, rien que de voir euh, le, ce, ce genre de, de truc, euh, juste en PVE, pour un event, moi franchement ça m'annonce que du bon truc pour euh, le PvE qui va arriver euh, en 2023. Le motographique a été changé d'où c'est bug sur le 2 et pas le 1. Ah c'est peut-être ça, ouais, effectivement. Le motographique, c'est peut-être ça, mais euh, pourtant le motographique, euh, c'est. Enfin, c'est vrai que quand on voit, parfois, c'est un petit peu à l'heure de filtre Instagram. Après, je vois qu y a quand même qu'il y a quelques modifications sur les modèles 3D. Bah, en fait. Pour un détail, pour un changement euh, concernant le moteur graphique, c'est vrai que le détail est assez mineur. Je ne pensais pas que ça aurait engagé des bugs à ce point. Bon, comme quoi, hein, je, je ne suis pas professionnel. et hein, je... ça. <coughs> voilà, franchement, mode l'event le, Halloween, nickel chrome, j'ai adoré. En revanche, on va parler du point qui fâche. On va parler du point qui fâche, on va parler du point économique. Parce que là, putain, il y, y a des choses à dire. Autant j'ai été très content euh, du, du fait de l'event d'Halloween de retrouver des superbes skins en plus. Ah, C'est con parce que allez, on, on va aller voir les skins de, de Halloween et euh, voir un peu. O où est-ce qu'on peut voir les skins d'Halloween déjà euh, sur ça voilà, Donc Andy Junker par exemple, il y a Exécutrice. Regardez-moi regardez ce skin. Il est très beau. Franchement. Franchement, je trouve que c'est un très très beau skin comparé aux autres qu'elle a parce que, bon, ouais, franchement, les, mecs, les les refs, ça, ça c'est un skin légendaire. Ça c'est le skin normal. Ça c'est le skin légendaire. Non, non, je suis désolé. Ça c'est un skin épique, à la limite, mais pas un skin légendaire. Je suis désolé. On sent qu'ils ont sorti les trucs à l'arrache hein, quand même. Ça se voit que les, les, les nouveaux personnages, ils n'ont pas des. À part Inotori, ça se voit qu'ils n'ont pas vraiment des, des, euh, des skins qui. Pas comme ce qu'on avait vu dans le premier, tu vois. Les autres personnages, étrangement, les, les trois nouveaux, ils n'ont pas des skins de ouf. Je sens qu'ils ont été rochers, tu vois. Euh, le skin de sorcière aussi. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Mais 1900 pièces premium. J'en ai combien 220. En un mois. Là, juste, va te faire foutre. Je suis désolé. C'est pas normal qu'on ait, qu'on ait autant à, 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 raquer comme ça. Je vais, je, je, vais aller un peu, je vais, faire un tour à la boutique. La boutique qui est bien mis en avant, pas. Voilà. L'eau Kiriko sorcière. Voilà. 2600 pièces actuellement. A priori, il y a 29% de remise. Voilà. C'est, ça coûte, donc, sachant 2000, 2600, on va voir un peu combien ça coûte. Euh, où est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, ici. 2600, ça coûte plus de 20 balles. Allez, on va, on va dire 20, 20, 26 euros le lot. Non. Non, non, non. Juste non. Non, il est, ça me fait chier parce que moi, c'était mon petit rituel, tu vois, c'est d'arriver à farmer assez de coffres pour avoir assez de pièces pour pouvoir m'acheter les nouveaux skins d'Halloween, les nouveaux skins des Events. Et là, je, et là ça, ça me frustre parce que je sais que c'est un très beau skin, que je voulais l'utiliser. Mais il n'est pas question que je paye à ce, à ce point, en fait. Et en plus, il euh, y a eu euh, quelques affaires sur ça. C'est que il euh, y a une loi euh, interna internationale qui exige, sur la loi des consommateurs, à pouvoir acheter euh, chaque euh, article euh, individuellement, quand il est compris dans le lot. Ça veut, ça veut, ça veut dire que quand tu as le lot, euh, tu peux acheter, par exemple, ceci sans avoir à acheter tout le reste. Là, c'est pas possible. Bah, attendez, peut-être que je dis une bêtise. Hein. Mais là, actuellement. Alors, alors, si, si, effectivement, je dis une bêtise, je dis une bêtise. Là maintenant, ils sont corrigés. C'était pas possible avant. Mais maintenant, tu peux acheter. Euh, tu vas ici et tu achètes euh, ça le modèle individuellement. Sinon, voilà. Tu achètes deux packs, c'est plus cher que le 1 prix fort. Bah oui. Non, mais est, ça, ça, justement, c'est pas normal. Euh, il n'est pas question, personnellement, que je j'achète un skin à ce, à ce prix-là. Tu m'aurais dit 10 balles. Bon allez, un petit, un petit peu plaisir, tu vois, parce que bon, c'est maintenant free-to-play, faut il bien, faut bien rentabiliser. Mais il n'y a aucun autre moyen de ramasser les pièces premium que des défis hebdomadaires. Tu récoltes, je rappelle que tu récoltes 60 pièces premium par semaine. À quel moment tu peux te mettre bien pour acheter euh, un, un héros tu peux pas. Donc, soit soit ils incluent euh, des des pièces premium dans le battle pass, ça marche même, virus. Bonne soirée, bonne soirée, merci beaucoup. Soit ils augmentent la, les récompenses par semaine, mais là, il va falloir faire quelque chose parce que ce modèle économique est pété du cul. Il est pété. Donc j'ai une hâte, moi, c'est qu'ils changent ça. Euh, et concernant aussi le. Il y a, il y a eu des affaires là, sur le. sur un Pachimari. Le pachimari qu'on peut acheter en charme d'armes, il est plus cher dans le jeu que sur la boutique. Et ce, il est où Voilà, ce, ce pachimari. Voilà, ce petit pachimari, vous voyez, vous pouvez l'acheter sur la boutique officielle de Blizzard. Attention. Hein. La, la boutique officielle de Blizzard, où il coûte euh, 5 balles. Enfin, même, même pas, tu vois. Là, il coûte 700 euh, pièces premium. Ce qui correspond à un peu plus que 5 balles. Voilà, donc j'ai vu ça dans un, dans un article, tout le monde l'a vu, et tout le monde a crié au scandale parce que bah c'est pas normal qu'un objet dans un jeu soit, soit plus cher qu'un objet dans la vie réelle sur une boutique officielle de Blizzard. Attention, hein, on n'est on est pas, pas sur Wish ou sur Alibaba. Non, là c'était la boutique officielle de Blizzard. Et ça, c'est pas normal. Euh, je voulais aussi revenir sur la ranked qui a été décriée euh, de, de part et d'autre euh, concernant que je cite euh, un joueur pro, elle est toute pourrie. Je ne peux être que d'accord, parce que euh, je, je suis désolé aussi, euh, on n'est on est malheureusement pas habitué euh, à ce genre de truc, parce que c'est le même euh, système de ranking, je crois, que CSGO. Maintenant, là, le, ce genre de classement, c'est pas... C'est... Pas ouf, voilà. Je, enfin, je sais pas vraiment comment dire autrement pour euh, pour euh, rester poli, mais disons que moi j'étais à les presque diamant allez, avant. Maintenant je suis hors d'eux D'accord, hors d'eux Ok, mais tu, 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 le, tu le juges par rapport à quoi en fait Ok, par rapport aux au, au, au parties que j'ai joué Mais comment tu estimes que je m'attends Je suis là alors qu'avant j'étais là. Bon. On peut se dire que voilà, j'ai perdu un petit peu de ma, de ma superbe. <laughs> non, je suis toujours une pauvre merde. Mais euh, voilà, ça, ça fait quand même un choc. Et de dire que tu trimes euh, pendant cette partie, admettons que tu arrives à faire cette partie cette euh, partie où tu gagnes, là tu, tu grimpes mais tu passes de hors 2 à hors 3. C'est pas aussi valorisant que ce qu'on avait avant. C'est mon avis. Hein. Je, je, si, si les gens, s'il y a des gens qui aiment ce système de ranking, euh, si, 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 si des gens aiment ce système de ranking, bah, vous l'aimez, bah, tant mieux pour vous. Euh, mais moi, ça me pose un peu plus de problème. En plus, ça me pose problème à plein de gens en fait. Donc, je sais plus où on en est. Mais voilà, il s'est passé tellement de trucs sur euh, Overwatch euh, en, en, en un mois, mais tout le monde décrit le système économique comme étant l'un des pires euh, jamais faites, et je ne peux être que d'accord avec eux parce qu'en plus. En autant, tu vois, ils auraient fait ça en début au début, tu vois, 2016, c'était vraiment les arrivées des battle pass avec Fortnite et compagnie. Bon, là, on aurait accepté que, tu vois, bon, eh, c'est ça tate, ça tâte, tu vois, c'est un peu euh, on cherche un petit peu où on va, tu vois, à savoir comment rentabiliser, comment satisfaire. Là, il y a rien. Là, je suis désolé, ça fait des années maintenant que les battle pass sont pris en compte, tous les free to play ont des battle pass, euh, voilà, c'est voilà, le Battle Pass maintenant c'est la norme. Voilà, si tu veux un petit peu avoir des, 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 des tenues, des skins d'armes en plus, voilà, tu vas sur Apex, tu vas sur, sur Fortnite, voilà, tu vas sur Paladin, tu vas sur Smite, tu as dans tous les free-to-play, tu as maintenant un Battle Pass qui permet d'avoir un bon système financier. Mais là, c'est, je suis, je, suis, je suis désolé, moi en tout cas, je n'aime pas ce Battle Pass. Je vais sûrement le reprendre, je vais quand même le reprendre. Hein, je, je vais prendre le prochain Battle Pass. Pour avoir les récompenses. Mais franchement, c'est pas aussi euh, plaisant que prévu. Moi, tout ce que je demande personnellement, hein, c'est de la monnaie premium dans le Battle Pass pour rentabiliser au moins mon achat. C'est ça. Enfin, voilà, voilà, j'ai à peu près tout dit euh, sur ce que je voulais dire. Hein, euh, Est-ce que j'ai manqué des choses euh, sur, euh, sur tout ce qui s'est passé sur Overwatch Peut-être que j'ai raté des choses, mais je, je pense avoir dit l'essentiel. Bon, il y en a qui vont peut-être me dire que je ne suis pas du tout connaisseur du sujet, etc. Là, je fais un total full impro. C'est un peu normal que j'ai peut-être... Euh, et, et je ressors euh, de deux heures et demie de Ranked. Donc, il y a des choses qui vont peut-être euh, oublier. Et en plus, d'ailleurs, là, je, je les vois, mais euh, on prévoit en plus de mettre Brigitte et Moira en rework. Je suis désolé les gars, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui, qui n'est pas, qui n'est pas, qui a pas été. Ça, c'était rocher quoi. Je, je, je suis parfaitement au courant que euh, l'équipe a bossé sur le PVE euh, depuis 5 ans. En revanche, le multi, celui qu'on joue actuellement, il a été bossé que un an et demi. Un an et demi, c'est très court dans le milieu. Donc évidemment, je suis d'accord pour qu'il y ait toujours des petits soucis d'équilibrage, etc. Putain, mais ces bugs, tu vois, ça. On peut même pas voir, on peut même pas avoir Mei dans le, dans la galerie des personnages. Elle a vraiment été retirée, retirée. Elle a été effacée, elle a été euh, Snap. Plus aucune nouvelle. Silence radio. Donc voilà, c'est, c'est pas normal tout ce, tous ces, tous ces problèmes et surtout ces problèmes économiques. Voilà, ça, ça se sent que ça, ça a été fait juste pour le pognon. On a eu encore la confirmation avec un témoignage de Jay Wilson, il me semble qu'il fait comme ça, c'est le boss qui était le boss de Diablo 3, qui a assisté aux réunions de actionnaires Activision, etc. Euh, au moment où il y avait Heroes of the Storm, etc. Euh, bah, il témoignait que euh, en fait les les mecs euh, de chez Activision, ils étaient là que pour le pognon en fait. Ils s'en foutaient complètement de savoir si le jeu était bon ou pas. Ils veulent savoir s'il est rentable. Alors évidemment. Un jeu doit être rentable, évidemment, parce que bon, il y, bon, y a bien le côté créatif, mais il y a aussi le côté euh, financier, évidemment, qu'il faut qu'un jeu soit rentable. Mais ils s'en foutent de savoir si le jeu est bon ou pas, s'il a reçu des bonnes critiques. Et ça, c'est pas normal, tu vois, c'est pas fait avec le cœur. Donc à ce moment-là, je suis désolé, mais, euh, mais là, euh, s'ils si, si ont toujours cet état, état d'esprit, on n'est pas prêt de voir du changement. Et je suis euh, désolé pour les développeurs, pour certains développeurs qui ont dû sûrement se dévouer corps et âme. Je pense avant tout à Jeff Kaplan, je pense à euh, le lead designer des héros, je ne sais plus comment il s'appelle, il était chauve, voilà. qui sont partis. Le scénariste aussi d'Overwatch 2, euh, dès qu'il a eu fini son taf, il s'est barré aussi. Ça, ça m'augure rien de bon pour l'avenir. Et euh, là, c'est ce qu'on voit actuellement. Et si on ne fait rien, ça peut empirer voir ça peut pas changer voire empirer mais là c'est pas c'est juste pas possible